comment allez-vous? Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver avec Simstoric. Il neige toujours, vous avez vu, nous n'avons plus qu'une poule. Les choses se déroulent tranquillement. Alors, j'ai failli ne pas pouvoir tourner cette vidéo car il y avait un mode cassé, je ne savais pas lequel c'était. Spoiler alerte, c'est la banque SNB est cassée depuis hier. Voilà, si vous avez le même problème, vous savez. C'est une très jolie nuit d'hiver qui va suivre une très jolie journée d'hiver. Ce sera jeudi. Nous allons donc jouer ensemble jeudi, vendredi et samedi. La roue tourne. L'époque change dimanche, c'est-à-dire que c'est notre dernier, tout dernier épisode à la préhistoire. Alors, qui que quoi dans où? Abo! Oui, on a un petit... Alors, je sais pas pourquoi il a ce truc. Gra a décidé que le piano était son truc, c'est pas de chance, Gra. Abo, pourquoi il a des lunettes de soleil, cet enfant? Je ne sais pas. Abo, normalement, il a des habits spécialement prévus pour lui. Voilà, les choses sont mieux. Et vous avez vu donc, j'ai pris la liberté de construire un berceau parce que sinon le pauvre petit dormait par terre et c'était un petit peu compliqué. On est jeudi, vendredi, c'est l'anniversaire de notre petit abo, samedi. Et regardez, dimanche, on glisse tout doucement vers l'Antiquité. Alors, pour tout vous dire, on va pas y avoir des changements impressionnants, hein, ça sera pas du jour au lendemain. Pour l'épisode prochain, je parle, ce sera un tirage de roue. Et puis, la roue sera différente. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce sera une roue différente. Il faut absolument qu'on s'occupe de nos chèvres. Je le fais très peu, je n'y pense pas. Mais je crois qu'on a 2 ou 3 chèvres, je ne sais plus. En tout cas, bon, ça mange autour de la mangeoire, c'est cool. La vache passe toujours à travers la barrière, c'est moins cool. Ensuite, qui est réveillé? Derry, tu as faim? Prendre la neige? Ça n'a aucun rapport. On va attendre que Ktira se réveille. En attendant, tiens, tu peux nettoyer les trucs. C'est Ktira, la préposée à la bouffe maintenant. Hein. C'est comme ça. Toi, Onk, dès que t'auras fini, non, pas de baignoire, mais plutôt, on récolte. On a des poires et des épinards en ce moment. C'est cool, hein? Bon, par contre, Ktira, vas-y. Il va falloir que tu fasses la bouffe parce que tout le monde a faim et ça va pas le faire. Alors, aujourd'hui, tu vas nous faire, je pense, du poulet. Je crois qu'on en a encore. Voilà. Espar, il dort encore. On va le laisser dormir. On lui fera un petit plat végé après. Ktira, perfectionniste, si tu veux, chérie. Tiens, bah appelle tout le monde à table. Ça va enlever pas mal d'action. Mais tant pis. Bon, ils se sont habitués au froid, vous avez vu. Spar, tout à l'heure, il est devenu bleu. Ouais, il a un peu froid. Spar, il s'est pas habitué, lui, par contre. Attends, parce que pour le moment, t'as rien à manger. Donc peut-être que tu peux aller prendre un bain. Peut-être. Éventuellement. Tu es pas en train de manger, là, je crois. Ah si, tu manges avec ton fils accroché. C'est une tumeur, ce n'est plus un enfant, d'accord. Mais c'est pas possible que tu lui as mis une autre tenue, mais je comprends pas, moi. Moi, j'avais mis le corps entier pour tout le monde avec mon truc perso. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je le valide à chaque fois et ça revient. Bah, non mais il se moque de moi. Il est de nouveau en comme ça. Les chaussures, non mais t'as rêvé toi. On s'arrête là. Bon, pour l'instant tout va bien. Mon purée! Il me l'a remis encore. Non. S'il te plaît, Fav, déjà, normalement, tu t'en occuperais pas forcément beaucoup. Tu vas le poser là, c'est sa mère qui va prendre le relais. On va essayer de lui apprendre à ramper ou quelque chose du genre. Vas-y, Fav, s'il te plaît, va t'occuper des animaux un petit peu. On va l'entraîner à s'asseoir. C'est bien de s'asseoir. Et voilà, chouchou. Attention, j'y crois pas, n'empêche que c'est un petit blond. Mais c'est normal, hein. Les Gaulois arrivent. Et oui. Ah, il peut s'asseoir tout seul? Ah non, il se retourne sur le ventre. Ah, je vais peut-être pouvoir lui apprendre à ramper du coup maintenant. Alors, il y en a un qui doit me laver la vache, s'il vous plaît. Et celle-ci, elle a besoin d'être lavée? Non, tout va plutôt bien. Ah, il faut la traire par contre. Fav, tu t'en occupes? Pourquoi t'es allé prendre un bain toi? Je t'ai rien demandé. Très joueur, ouais, bah va brosser la vache, ça va te calmer. Ah oui, les chèvres.
Bon bah l'hiver, il n'y a pas grand chose à faire. Pouh, t'es dégoûtant et t'es à côté de la baignoire. Vas-y, fais-toi plaisir. Les journées sont ternes quand même. Ah mais j'ai pas tourné la roue. Je me dis, bah, il manque quelque chose. On se fait chier. Bah oui, j'ai pas tourné la roue. Du coup, forcément. Allez, on y va. Animaux en plus, bah vous savez ce que je vais prendre, je vais prendre des poules. Hein. Du coup, qui est le plus proche du poulailler? Où est le poulailler? Trop de questions. Ah, voilà. Personne n'est proche du poulailler. T'inquiète pas, petite poule blanche, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Onc va venir te chercher des petites compagnes. Alors, on va acheter un coq brun. Pouh et... Oh, ou alors on se prend une oie. Ouais, on prend une oie. Trop bien. Oh, regardez-moi ça! Regardez comme elle est trop trop belle! Ça aussi, c'est le mode des animaux de la ferme, mais elle est tellement bien faite! Trop cool! Par contre, elle glisse un peu. En fait, elle fait du moonwalk loie. C'est difficile à dire. Moonwalk loie. Oh, les yeux qu'elle a, elle a l'air bête! Trop drôle. Bon, en tout cas, c'est cool, je suis contente. Bon, franchement, on s'en sort pas mal, hein. Cet hiver, il est pas si dur que ça. D'accord, j'ai plus de poissons, mais je me débrouille plutôt bien. Oh, c'est en train de repousser, trop mimi. J'adore cette oie. C'est bientôt l'anniversaire d'Abo. Oui, je sais. Oh, il y en a un crumble, là, pour ceux qu'on faim, au fait. Il est où, mon gosse? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il a faim. Allez, allaite-le, du coup. Voilà, en plein milieu de la neige, en plein hiver. C'est vrai qu'on se rappelle qu'il faut qu'on aille chercher la tombe de Jor, hein, plus tard, quand la neige sera fondue. Bon, et puis ensuite, je vais faire un petit tour du propriétaire. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez? Franchement, ils vont bien. Tiens, va prendre du crumble. Ah, il est plus bon. Bah, on le nettoie alors. Moi, je dis que si t'as du lait, tu peux peut-être boire du lait. Ouais, voilà. Il y en a qui sont déjà allés se coucher. Ah, elle se fait mordre parce qu'elle a allaité. Bah oui, bah c'est la vie. Hein. Franchement, vous avez vu comme il est beau mon village? Oh, j'ai hâte de voir comment il va évoluer. Bon, 5h du mat, tout le monde se réveille petit à petit. Oh, il fait ses nuits. Ça, c'est cool. Tout le monde se réveille. Ouais, il est 8h. Gras. Attends. Ktira, va faire de la nourriture. Qu'est-ce que t'as dans ton inventaire? T'as des œufs. Après, on n'a pas de plan de travail pour créer des trucs. Pas le goût de la récolte? Allez, on fait ça, comme ça tout le monde pourra en manger. Oh, il s'assoit, mon petit. Pou aime la supercherie. Ça ne m'étonne même pas de lui, quoi. Ah oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Qui a laissé cet enfant en dessous de la flaque d'eau? Derry, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, lui donner un bain? Parce que c'est ce qu'on avait dit. C'est pas la peine de lui placer du steak devant la gueule, il mangera pas, il a pas l'âge. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Par ici. Ouh, il y a des trucs à faire chez les bestioles. Onk, jardin. Pouh, viens t'occuper de crème. Spar vient t'occuper de fil. Pave vient t'occuper de beurre. Non, c'est steak. Eh, c'est pas mal, regardez comment elle dort l'oie. C'est bien fichu, hein, quand même. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour, hein, 14h, et on a fini nos tâches de la journée. C'est plutôt bien. Où est l'enfant? Ah, dans son berceau, ça va. Bah, dors. Ah oui, t'es fatigué, tu dors. Est-ce qu'on partirait pas un petit peu... Non, j'allais dire à la recherche de la tombe perdue, mais je crois que... Sous la neige, c'est trop compliqué, quoi. Je vais me perdre. Est-ce que tu veux... Oh, il veut lui faire un petit bisou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? T'es jaloux, Spar? On fait un petit crac-crac, Derry? Allez, ça va nous remonter le moral. Spar, il est triste. C'est vrai qu'il n'y a que deux femmes, quoi. Il n'y a que deux femmes, c'est ouf. Purée, mais... Bon, je tire la roue à 18h en ce moment. C'est pas sérieux tout ça, faudra reprendre 10h. C'est parti. Alors. Oh, quatre murs.
Alors, quatre murs. Moi, je dirais que la grande hutte, là, on va pouvoir essayer de l'agrandir. Qu'est-ce qu'on dirait de la fermer, genre là? Vous voyez? Hop, comme ça. Pour en faire une hutte presque ronde. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une case à une forme un peu chelou, mais c'est pas grave, qui sera plutôt la case centrale et le lieu de rassemblement. J'ai mis les petits sièges. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai voulu essayer de bouger les pierres, mais c'était trop lourd. Non, c'est pas RP si je prends le truc et que je le mets là, quoi. Mais à terme, j'aimerais bien avoir une petite surface par ici. Ce que j'ai fait sinon, c'est que j'ai pris le sucre et la farine, notre stock que j'ai mis ici, dans notre case de stock, parce que ça c'est la laine. J'ai rajouté le petit tapis qu'il y avait là-bas dans la chambre, dans la case de Derry et du petit. Du coup ici j'ai un peu enlevé ce qu'il y avait, mais voilà, après on n'a pas grand chose. On va voir s'il reste des trucs à faire. Éventuellement, je fais le tour, je couche tout le monde. Et demain, on va se dire qu'on tourne la roue vers midi, 1h. Hein, on essaye d'y penser. Oh, Spar, tu laves la salle de bain? C'est une initiative que tu as prise seule. C'est tellement bien. Mais par contre, Gras, il va être obligé d'aller prendre un bain. Donc je pense qu'il va te virer. Allez, notre dernière journée. Hey, il a pas grandi notre enfant. Bon, on va le faire aujourd'hui. Pourquoi 1h30, il y a des gens debout? Va faire pipi. Mais je t'avais déjà demandé en plus. Kitira, t'es debout. Ça, c'est formidable. C'est la meilleure nouvelle du jour. Va donc aller faire de la bouffe. J'ai hâte, n'empêche, de pouvoir garder ce que je fais. Garder ma bouffe. Parce que là, franchement, cuisiner tous les jours, c'est insupportable. Est-ce qu'on le ferait pas grandir? Mais où tu vas avec lui? Arrête-toi. Est-ce qu'on le ferait pas changer d'âge? Allez, on y va et on va voir à quoi il ressemble en tant que bambin. Ouh, j'ai hâte. Attention. Ouh, il a vieilli. Il était sensible. Il sera dynamique. Il est frisé. Voilà mon petit abo. Alors, il a une petite combinaison, encore une fois en fourrure, mais avec quand même un petit peu de couture. Donc vous voyez, on commence à travailler un petit peu le tissu, alors qu'avant c'était que des liens ou que des nœuds. Là, on travaille le cuir, peut-être qu'on viendra au tissu sous peu. Ah, ils sont tous en train de bouffer, c'est vrai. Oui, Ktira a terminé le poulet. Et elle a refait un steak de champignons pour Spar. Donc Spar, tu peux venir manger si tu veux. On pourrait manger dans la grande hutte, hein, finalement. Hein. Ce serait super. Enfin, moi, je trouve ça accueillant ici. Peut-être que ça manque de fenêtres, n'empêche. Après, si on avait eu des surfaces là-bas, ça aurait été plus simple de poser la nourriture et donc de faire venir tout le monde. Oui, alors, d'accord, je viens de dire qu'on peut poser des trucs, mais quand même pas les feuilles sales. S'il te plaît. Ah, mais tu sais quoi, mon petit? On a une maison de poupée pour toi. Elle est où? Elle est là. Fave, tu vas venir réparer ça. Parce que je suis sûre que pour ton fils, ça va le faire. Je reprends un petit peu les tâches, là, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Spar, dès que tu auras fini de manger, tu vas venir... attendez, je ne sais pas par où commencer. Changement d'époque demain! Onk, d'abord, va venir récolter les trucs. Derry, va venir t'occuper des poules. Spar, toi, tu vas ramasser, voir avec Phil. J'ai besoin de quelqu'un pour crème. Pou, mais Pou, tu fais rien du tout. Crème, mangeoire, il n'y a pas besoin de nettoyer. On va la laver, on va la traire. Et enfin, j'ai besoin de quelqu'un pour steak. Ktira, tu t'occupes de steak? Ah non, Ktira, elle se prend une douche. Onk, t'as fini, toi? Il me faut quelqu'un pour les petits trucs aussi. Tiens, bah toi, tu fais rien, toi? Tiens, petit truc. Donc du coup, loi, voilà. On se partage les tâches. Tu joues à la poupée dans la fourmilière avec un bâton et des pierres. Ça va être trop, trop bien. Ouais. Bon, toi, lave cette... Ah, elle est endormie, c'est pour ça. Non, mais t'as pas lavé celle-là? Tu te moques de moi? Tu laves yaourt. Tu commences par yaourt dans ces cas-là. Elle est réveillée alors que l'autre, elle n'est pas réveillée. Sois logique.
Onc, oh, on m'a dit qu'on tournait la roue, il est midi. Il y a quelqu'un qui s'occupe de cette vache? Personne rejoint la tribu. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que parce qu'il y a quand même eu pas mal de changements, c'est que la nouvelle personne rejoigne la tribu à l'épisode prochain. Voilà. Ce sera pas pour tout de suite ou tout de suite, parce que j'ai ma petite idée, vous allez voir. Donc ne vous inquiétez pas, je me le note dans un coin, mais la prochaine fois, on aura un nouveau ou une nouvelle arrivante. Bon, est-ce que quelqu'un s'occupe de ces chèvres? Elles? Ah ben non, oui, elles sont. Est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'on les a traites? Ktira, qu'est-ce que tu peux faire avec ces chèvres? Ah ben voilà, traire. Ce serait bien qu'elles nous aident au jardin, mais pour le moment, il n'y a personne qui est assez sympa avec eux pour être pote, donc. On peut rien leur demander. Phil va bien, tu l'as tendu? Ouais. Steak va bien, steak va bien. Est-ce qu'on l'attrait? Je crois. Bon, bah c'est cool. Et toi, tu joues avec ton gosse? Ouais, vas-y. Et toi, Faf, tu fais quoi? Tu les regardes au loin. Super, récupère de la neige. Franchement, c'est plutôt. On a trouvé un équilibre, je pense. La fin de la préhistoire se passe pas si mal que ça. On est plutôt sur la bonne voie pour évoluer. Je pense que tout le monde est suffisamment heureux de temps en temps. Enfin bon, c'est plus autant la galère qu'avant. Ça va être trop bien d'avoir une nouvelle roue, de nouvelles opportunités, des nouvelles difficultés aussi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Hop, on va me déplacer le lit à échanger. Donc voilà, hop, on va se dire que les hommes nous aident. Je vais mettre le berceau ici. Je vais prendre le lit de bambin plutôt là. Les hommes nous ont aidés à porter et on a une chambre fonctionnelle pour coucher notre petit. Donc pourquoi pas maintenant? Oui, ça va fonctionner, je pense que oui. Trop bien! Bravo! La nuit est en train de tomber. Moi, j'aimerais bien qu'on se mette tous là ce soir pour se raconter une petite histoire pendant que l'enfant dort. On va voir ce qu'on peut faire. On va dire que Gras, il raconte des trucs. Voilà, on commence un petit peu à faire de la transmission. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que j'ai pas d'interaction qui se rapproche de ça. Comme s'il y avait un semblant de société qui commençait à se mettre en place, voyez. Ils sont en train de discuter de qui fait quoi, parce que dernièrement, ils sont tous un petit peu au four et au moulin. En plus, ben, l'hiver n'aide pas forcément parce que avant, ils avaient vraiment une tâche bien définie. Mais là, moi je demande qui veut la poule, qui veut s'occuper de machin, qui veut s'occuper de trucs. Mais voilà quoi. Et là, petit à petit, on s'organise. Eh bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. L'année prochaine. Oui, parce que ce sera l'année prochaine, du coup, maintenant, on glisse vers une autre période, l'Antiquité. Vous allez voir que les changements vont arriver finalement plutôt vite. Oh, il y en a deux qui se draguent au fond. Ah, Derrière va se coucher, elle en a marre. J'espère que cet épisode vous a plu, je sais plus si je l'ai dit, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, salut!